tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois aujourd'hui, on va bricoler. Là, je suis sur une phase là où c'est que j'avais plein de trucs à bricoler, à souder, la petite soudure là, à l'étain, tout ça. Et moi, je t'ai déjà fait quelques vidéos, alors si tu les as pas vues, je t'invite à aller les voir. D'ailleurs, je sais même pas si elles sont sorties au moment où je tourne cette vidéo, parce que je viens juste de la terminer. Donc tu vois, je peux pas l'avoir monté et sorti, donc voilà, je sais pas dans quel ordre ça sortira, c'est pas grave, de toute façon, si elle n'est pas sortie, je t'invite à t'abonner. Déjà, pour commencer, hein, c'est la moindre des choses, tu t'abonnes, tu laisses un gros pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu fais ce que tu veux, voilà, moi ça me fera toujours plaisir, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, et je pense qu'ils ont sûrement dû oublier de s'abonner, hein. C'est la seule chose qui est encore gratuite, donc profitez-en, hein. On se plaint toujours que tout est cher, là c'est gratuit, donc défonce-moi les abonnements, et ça me fera toujours plaisir. Aujourd'hui, pour les anciens de la chaîne, vous connaissez tous cette petite lampe là qui marche plus ou moins bien, enfin ça marche bien, normalement ça marche bien. Elle marche bien, ça fait très longtemps que je l'ai, je m'en sers en bivouac, je m'en sers aussi également à la maison, je recharge ça sur mon installation solaire, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une installation solaire qui est en permanence en train d'évoluer. Évoluer pourquoi? Parce que j'ai commencé avec pas grand chose, et puis ça évolue encore, et le mois prochain, ça va tellement évoluer que je vais avoir 4 gros panneaux supplémentaires, hein. Je vais passer la barre des 1 kg de puissance solaire, enfin sur la nouvelle installation que je vais acheter, enfin plus d'un kilo même. Avec ce que j'ai déjà là, ça va être encore beaucoup plus intéressant. Enfin bref, là le problème de cette lampe, comme je t'ai dit, je m'en sers partout, c'est que pour la recharger, c'est de l'USB, pas type C. Et c'est la grosse merde. Voilà, il faut dire les choses. Ça tient mal. Donc, ce qu'on va faire, moi, j'ai beaucoup de câbles qui marchent plus ou moins bien avec les téléphones et tout ça. Je vais en prendre un, je vais le couper, tout simplement. Et puis, on va venir le souder directement dessus. Bon, bien sûr, on aura toujours un bout de câble, mais après, pour brancher tout ça, ça sera déjà beaucoup mieux. Bon, je te montre ça en plan rapide. Bon, t'occupe pas de tout ce qu'il y a sur la table, il y a des choses, ça n'a rien à voir du tout avec cette vidéo, parce que j'ai pas du tout rangé. Donc, te laisse pas perturber avec tout ce qu'il y a sur la table. Donc là, je prends un tournevis, je vais venir dévisser la petite partie qui est là. Et là, tu as le fer à souder que je viens juste de recevoir, que j'ai acheté sur Amazon d'occasion. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, on peut acheter d'occasion sur Amazon. Et c'est du neuf. Voilà. Donc là, je vais enlever ça. Et une petite vis, je viens dévisser. Je viens sortir le petit système. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai, tu vois peut-être mal, donc ici là, j'ai le l'USB là qui est complètement pourri. Et donc, je vais venir à la place de ça, brancher un câble, voilà, USB, comme ça. Il y aura toujours un petit machin là. Donc, toi c'est simple, tu viens prendre un bout comme ça, voilà. N'est pas obligé de faire un truc très très long, voilà. Et là, je vais finir avec mon testeur, voir où c'est que ça se branche là-dessus, parce qu'il y a 4 petits points de soudure, donc repérer c'est lesquels. Donc déjà, mon fer à souder, je peux le démarrer, donc il chauffe très très vite, hein. J'ai été vraiment impressionné. Là, en attendant, ça, je vais venir le dénuder. Il est déjà chaud. Il va super bien, ce petit fer à souder.
il chauffe super fort. Donc là, je viens, tu vois, j'ai 4 petits câbles dedans. J'ai un rouge, un noir, un vert, un blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les câbles USB, hein, comme ça, font aussi très bien du rechargement comme du transfert de données. Donc là, moi, je viens sélectionner le rouge et le noir parce que c'est ceux-là que je veux. Voilà, les autres, j'en ai pas besoin. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà, donc je viens les couper. Et ceux-là, je vais venir les dénuder. Après, moi, ce que je veux, c'est qu'ils passent là-dedans. Donc, je vais passer ça là. Alors, si ça passe mal, ben, tu forces. Voilà. Tu peux t'aider d'une pince. Ou tu peux aussi agrandir un peu le trou avec la pointe de ton fer à souder. Là, je vais venir dénuder ça avec un briquet. Donc, un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va venir étamer ça, c'est-à-dire mettre un peu d'étain dessus le bout de mon fil, là. Donc, j'ai des grosses bobines d'étain parce que j'ai mon voisin qui était dans le domaine avant. Et vu qu'il est à la retraite, il m'a donné ces bobines d'étain qui sont relativement grosses. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir dessouder la partie qui est là pour souder là. Mais avant, je vais mesurer à l'aide de mon multimètre. Là, je viens de démonter pour voir aussi les accus qu'il y a dedans. Donc, il y a 4 accus de 18650. Voilà, alors je vais te montrer. Voilà. Donc 18650, 3,7 V. Voilà. En lithium-ion. Donc ce qu'on pourrait faire aussi, hein, ça serait largement faisable, c'est de se séparer de ça et pour avoir une meilleure autonomie, passer directement sur le même système que ça. Voilà. Tac. Et avec un powerbank au cul. D'accord? Bon, bien sûr, après. Ça fait qu'il faut toujours avoir un powerbank branché dessus, tout ça, bon. Mais là, ce que je vais faire, c'est dessouder ça pour retirer le petit machin. Donc je n'ai pas remis la batterie, on va voir si ça peut fonctionner comme ça. Voilà, c'était délicat pour faire les soudures parce que c'est très très petit. Donc c'est parti, on va voir. Alors est-ce que j'ai pas inversé l'épaule parce que c'est pareil. Hein. Là je ne sais pas au niveau d'épaule si c'était bon ou pas. C'est très petit, on voit très très mal. Bon, les soudures tiennent. Je vais essayer d'inverser les soudures. Il n'y a pas beaucoup de place non plus. Puis à vrai dire, j'ai pas non plus le matériel adapté. J'ai mis ça. On va voir. Et ben ça marche. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Et oui, ça fonctionne. Il est peut-être mal, hein, mais regardez. Voilà. Et on est bien sur le powerbank. Hein. Regardez si je débranche. Voilà. Donc, ça c'est plutôt bien. On va remettre, alors bon, on va essayer quand même de remettre ça comme il faut sans faire péter les soudures. Bon, je reprends la vidéo, on a été coupé, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de batterie, donc j'ai remplacé la lumière et j'ai mis le powerbank au cul de la caméra.
Bon, je vous ai montré comme quoi ça marchait, hein. Je vais vous remontrer. Donc on est bien dessus le power bank, hein. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai pas remonté complètement. Voilà, vous pouvez voir, hein. Voilà. Bon, on va remettre la batterie à l'intérieur. Alors, faut y aller délicatement si on veut pas tout arracher non plus. Ce serait quand même pas marrant. Bon. J'ai des gros doigts. Voilà. Donc, on remet tout ça en place. La mousse sert à caler les accus pour éviter que ça se promène de tous les côtés. Avant de tout remonter comme il faut et tout ça, on va refaire un petit test, hein. C'est pas quand tout sera remonté que faudra s'assurer que... Donc on va faire un petit test. Voilà. Celle-ci. Là. Bon, si ça marche. Voilà. C'est que le bouton connecte mal dessus. Donc ça marche parfaitement bien. Faut juste que ça, ça se mette comme il faut dedans. Donc ça fonctionne. On va remettre la petite vis qui va bien pour que ça reste plaqué comme il faut. Voilà. Donc ça c'est bon. Là on va venir remettre les petites vis qui sont sur les côtés. Donc là tu vas me dire qu'on en est au même point qu'au départ. En effet, on n'a rien fait de plus. Mis à part avoir rajouté un câble pour pouvoir le recharger. Donc maintenant, à voir après quand la queue sera déchargée, si ça recharge, si ça marche. Hein. On a bien essayé tout à l'heure, hein. Tu vois, sans la queue ça fonctionnait, donc normalement il n'y a pas de souci. Donc on va réessayer là, donc là ça refonctionne encore. Je rappelle qu'on n'est pas branché, hein. Voilà, on est bien sur les accus. Pour que tu le vois, même avec mes projecteurs, comme quoi ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, on va brancher ça. Voilà. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne encore toujours. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors par contre, il va falloir faire attention, un truc important, à ne pas venir arracher le câble ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est venir mettre un colson, voilà, qui va venir tenir ça. Parce que là, tu vois, tu comprends bien que ça, si on tire dessus, ça va arracher à l'intérieur. Les soudures sont très très fines, donc on va faire attention à ça. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais laisser vider la batterie. Voilà, je vais laisser allumer comme ça, que ça se vide complètement, et ensuite on viendra voir si le fait de recharger ça fonctionne ou pas. Voilà, bon, je laisse vider ça et je te reprends après pour laisser. Voilà, en attendant, c'est pas fait, je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu, ton abonnement, à commenter, à partager la vidéo. Je te reprends juste après pour la suite et la fin de la vidéo et la conclusion naturellement. Bon, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour recharger la lampe. Ça y est, elle est vide. Elle a été vidée cette nuit. On l'a laissée allumer toute la nuit. Donc c'est bon, je vais vous montrer comment on va procéder pour le rechargement. C'est parti. Alors, pour le rechargement, c'est simple, hein, comme d'habitude, toujours sur le solaire. Avec mon petit appareil qui est ici, on peut voir qu'il est bien à zéro. Voilà. Et donc, on va prendre la lampe qui est ici.
je vous montrer comme quoi elle est bien vide. Voilà. Voilà. Elle est bien vide. Ça ne fonctionne plus. Je viens rebrancher ici. Recharger là. Alors, je vais me servir. Alors, je vais tout simplement l'éteindre, voilà, voilà, et on va laisser charger ça tranquillement, voilà, on peut voir, 5,12 volts, 0,14 ampères, et on a les mini ampères qui défilent, voilà, bon, bah, je vous reprends quand ça sera chargé, je pense qu'il y en a pour un moment. Bon allez, pour vous, bah tout de suite, pour moi, bah je sais pas quand. Bon voilà les amis, on se reprend quelques heures après, je vous montre, voilà, donc là si la mise au point, voilà, va se faire, donc 5 volts 13, on part d'en haut à gauche, et après on suit, donc ça a mis 36 heures, en durée pour recharger la batterie, donc c'est normal parce que c'était une recharge relativement lente. Donc on peut voir au niveau des ampérages, il n'y a plus rien et on a une batterie dedans, d'après ce que ça a rechargé, à on va dire 10 000 en l'occurrence là, si on veut être précis, 11 101. Voilà, donc elle est bien là, elle est toujours bien branchée là. D'accord, hein, voilà, d'accord. Donc maintenant, on va essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Donc, on va la débrancher. Voilà. Donc, c'est bien débranché. Et on va essayer ça. Donc, soit ça me pète dans les mains. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3. Ou alors, ça marche. Ah bah, ça marche, hein. Voilà, je crois que ça marche bien. Alors, on va peut-être éteindre la lumière. Ah oui, parce que je suis en solaire ici. Hein. Voilà. Voilà. Si j'éteins la lumière. Voilà. Donc, naturellement, j'ai la lumière dans le salon parce que je suis en train de tourner une vidéo aussi en même temps là-bas. Voilà. Mais on peut voir que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc je vais rallumer. Voilà. Ah tu vois, on y voit déjà mieux là. Donc toi, petit bricolage à la con. Petite réparation, on va dire banale. Hein. Après, moi j'ai pas la prétention de me prendre pour monsieur électricien ou je sais pas quoi. Mais toi, là, ici, ça c'est moi qui l'a fait. Tout ce qui est solaire, hein, dessous là, avec mes batteries, tout ça, et dans ma cuisine là-bas, bah, c'est pareil, parce que ma cuisine à l'extérieur, où c'est que je fais mes petites vidéos cuisine, si tu les regardes et tout ça, tu t'es au courant que j'ai une cuisine que je me suis montée tout seul, voilà, aménagée avec mes petites mimines, voilà, et donc qui est équipée également en solaire, avec, à l'origine, c'était deux batteries plomb. Maintenant, j'ai pris les batteries gel qui étaient ici, je les ai emmenées là-bas. Voilà. Donc tout ça, je l'ai fait de moi-même avec le peu de connaissances que j'ai. Hein. Comme je dis, j'ai pas la prétention de me dire que je connais tout. Mais tu vois, et ben, comme je dis souvent de fois, hein, quand on sait pas faire, on fait pas. Et puis, ben, faut essayer. Voilà. Donc tu vois. Voilà. Donc bien sûr, hein, j'ai viré le machin et comme. T'as vu hein, dans le début de la vidéo, je t'ai dit, hein, c'était pour les points de soudure, hein, c'était vraiment très très minutieux. Hein. Moi j'ai pas l'habitude de souder, encore moins des petits composants comme ça très très fins. Je l'ai fait, ça fonctionne, donc voilà. Donc si moi qui connais rien du tout, hein, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, je suis bon en rien et nul en tout, d'accord? Voilà, donc t'as compris. Donc non, mais voilà, après c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, voilà. Donc mais
6 mois qui connaît pas l'électronique et tout ça, j'ai réussi à faire ça. Hein. Je pense que les gars qui ont un peu de connaissances, ils y arriveront largement. Voilà. C'est pas très compliqué. Il y a juste un peu de logique à faire. Et puis, voilà, bon. Donc, tu vois, d'où l'utilité de garder toujours les petits câbles comme ça, là, quand des fois ils marchent plus à recharger certains appareils et tout ça. Ben, tu coupes et puis tu gardes. Voilà. Là, c'est pareil, je suis en train de faire une autre vidéo que toi tu verras plus tard, où c'est que j'avais acheté des petites lumières solaires avec panneaux solaires et tout ça pour mettre dans les chambres. Voilà. Parce que, t'as compris, le truc, le but de la chaîne, c'est d'essayer d'être autonome un maximum, de dépenser le moins d'argent dans l'électricité, la flotte ou quoi que ce soit, le gaz également. Donc je suis en train de passer toutes mes chambres avec des lumières un peu spéciales, à la base qui étaient faites avec des panneaux solaires, mais j'ai viré le système de panneaux solaires et j'ai mis des USB. Et vu que j'ai beaucoup de powerbank à la maison, quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup, hein, d'accord. On ne parle pas d'un powerbank, non, non. On parle de plusieurs dizaines de powerbank. Et ben, tout simplement, on branche ça sur des powerbank et ça fonctionne. Mais ça, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Je t'explique ça en détail, comment j'ai fait. Voilà, tout simplement. Et je répète, je n'ai aucune connaissance dans l'électricité, dans l'électronique et tout ça. Je ne connais rien du tout. Voilà. Mais tu vois, j'ai réussi à faire ça. Quand on veut, on peut. Voilà. Bon, sur ce, moi, je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu et ton abonnement. C'est important, ton abonnement, parce que, tu vois, ça me prouve que il y a des gens qui sont là aussi pour récompenser un peu la chaîne, hein. Pas forcément dans les dons et tout ça. Personne fait de dons. C'est pour ça qu'il y a des pubs, hein, d'ailleurs. Donc, si vous voulez arrêter d'avoir des pubs sur la chaîne, arrive un moment, faut lâcher aussi de l'argent. Je demande l'argent à personne. Donc, en l'occurrence, la chaîne allait monétiser, donc je mets des pubs. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui se sont pas abonnés. Hein, au moins 80%. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, regardez au moins les vidéos qui vous intéressent, quoi. C'est pas parce que il y a des vidéos qui vont pas vous intéresser qu'il faut pas s'abonner. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je t'invite à bricoler plein de trucs comme ça. Ça va te permettre de faire des économies dans l'électricité, parce que pour info, ça continue à augmenter, hein. Voilà. Moi, je regarde pas la télé, mais je sais que ça augmente, hein. D'accord? Voilà. Donc, n'hésite pas. Et puis, installe des panneaux solaires. Installe des bons petits trucs comme ça. Et puis, sur ce, salut à la prochaine. Salut.